Bonjour et bienvenue dans les mini vidéo tuto de Sotex Pro. Aujourd'hui, l'objectif est de vous faire comprendre en 2 minutes la réglementation au feu pour les produits d'aménagement en vigueur en France. Allez, c'est parti! Première chose à savoir, en France, dans les ERP, les rideaux sont considérés comme des matériaux d'aménagement. Concrètement, le classement de réaction au feu exigé dans ces ERP pour les produits d'aménagement est le classement M1. Ce classement M1 est défini selon la norme française NFP 92-507 de l'annexe 2 de l'arrêté du 21 novembre 2002. Pour être précis, cette norme englobe les normes suivantes. Pour être valable, ce classement M1 ne peut être fourni que par des laboratoires français agréés par le ministère de l'Intérieur. La liste de ces laboratoires est la suivante. Ensuite, ce laboratoire français agréé délivre un procès-verbal M1 valable pour une durée de 5 ans. Attention, les procès-verbaux M1 réalisés par des laboratoires étrangers ou non agréés par le ministère de l'Intérieur ne sont pas recevables par les commissions de sécurité en France. Je vous rappelle également que lorsque vous achetez directement des tissus en dehors du territoire français, c'est votre responsabilité qui est en jeu. Selon le Code de la consommation, vous devez vous assurer que le produit acheté est bien conforme à la réglementation en vigueur en France. Pour être sûr de l'authenticité d'un procès-verbal qu'un fabricant peut vous fournir, je vous invite à consulter la page « Comment lire un procès-verbal » en lien dans la description ci-dessous. Ou sinon, vous reportez à notre site internet sotexpro.fr. Les normes Euroclass ne concernent pas les produits d'aménagement comme les rideaux. Par conséquent, ils ne sont pas recevables par les commissions de sécurité en France. Par exemple, le test au feu BSEN 13501 n'est pas adapté aux rideaux, selon la réglementation en vigueur en France pour les ERP. Ceci rend donc les normes Euroclass non adaptées pour prouver la performance d'un matériau. L'arrêté du 21 novembre 2002 indique clairement que les laboratoires agréés ne peuvent pas fournir de PV de classement M selon les normes européennes EN 13773, étant donné que les référentiels normatifs sont différents. En conclusion, les normes Euroclass ne s'appliquent qu'aux matériaux de construction et non pas aux matériaux d'aménagement comme sont les rideaux en France. En conclusion, en France, dans les ERP, la seule réglementation en vigueur pour les rideaux, les tentures et les voilages est le classement non-feu M1, effectué suivant la norme française NFP 92-507. Je le rappelle, cette norme doit être certifiée par des laboratoires français agréés pour l'obtention d'un PV valable pendant 5 ans. Les normes européennes ne sont pas valables en France pour les produits d'aménagement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous laisser votre commentaire. Ou sinon, contactez nos conseillers via notre site internet sotexpro.fr. À bientôt !